Salut tout le monde, c'est Galius, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour l'épisode numéro 21 de Pokémon Colosseum. Et bien dans cet épisode, on va aller affronter Raikou, enfin pas Raikou non, plutôt Tek, le troisième boss final quoi. Mais avant, il y a deux trucs ici. Alors j'ai fait quelques combats. Voilà, bon à côté de moi il y a un pote à moi, donc au pire il peut peut-être un peu m'aider puisqu'il a déjà joué au jeu. Alors voilà, je crois que je sais plus si j'étais allé là. Voilà, c'est un analyseur d'ADN. Et là, a priori, est-ce que j'ai l'objet? Ouais, voilà, donc j'ai des échantillons d'ADN. Et donc je peux leur donner. Enfin, le donner à la machine, quoi. Et donc voilà, ça me donne un feu forêt. Bon, il faut le faire pour les trois. Puisque je sais qu'après, ça influe sur la suite de l'aventure. Voilà, un ferisson. À mon avis, c'est tous les Pokémon qu'on a rencontrés qui ont été obscurcis, quoi, par là. Ah, mais ça, j'ai déjà dû... Ah non, j'ai déjà fait ferisson, attendez. Ferisson, feu forêt, et voilà, ça, on sait pas. Puis le petit dernier, voilà, crocodile. Bon, très bien. Allez, maintenant, on retourne, donc, juste à côté. Alors, au niveau de mes Pokémon, ils sont... Niveau plutôt moyen quoi. Donc voilà, Marest 37, Mantelli 44, Entei 42, Fortress 43, Noctelli 41, Suicune 42. Donc je vais enlever le multi-exp de Mantelli, je vais le mettre à Marest. Parce que lui il faut qu'il monte. Non c'est pas là. J'ai aussi fait deux fois le Colosseum. Bon, c'est pas vraiment moi, c'est mon pote, mais bon. Donc ouais, ça leur a permis de gagner des niveaux quand même. Voilà. Donc là c'est là, voilà. Je sais plus où est-ce que je suis allé. Donc on s'y rapproche, hein, franchement, on y est presque. Ouais. Tac. Alors oui, voilà, c'est ça. Waouh, mais que font des intrus ici? Mais que fait la sécurité? Donc là, on a un petit combat contre le scientifique Galen ou Galen. Magnéton et électrode. Non, il n'y a pas de Pokémon obscur là. Je crois qu'en fait les scientifiques n'ont pas, il me semble, de Pokémon obscur. Ouais, ça va être bon. On va pouvoir faire des... ouais, je vais faire un petit tir debout sur... Ah, électrode, il risque d'avoir destruction, explosion. Je vais faire sur lui. Ah non, c'est x4 sur Magnéton. Ouais, on va le faire sur Magnéton plutôt. Et ouais, bon, on va faire ça, tiens. Oh, dans ce puits. Oui, je sais pourquoi. Parce qu'après Magnéton, il va faire Fatal Foudre. Il me l'avait fait la dernière fois, en fait. Je m'en souviens. Non, mais ça va le faire. Mais c'est fou quand même que Electrode est dans ce puits. Ouais, voilà, bah tiens. Ah, bah non, forcément sur Mantelli. Hein. Ouais, c'est bon, c'est bon. Non mais c'est plutôt un bon combo. J'étais étonné. Ah tiens, prends ça. Voilà, tir debout, là ça va bien lui faire mal. Eh, presque, dommage. Voilà, la pluie continue de tomber. Bah écoutez, on va faire ça. Ouais, non, là je suis KO par contre. Ah non. Ah non, parce que c'était pas le même. Tout à l'heure c'était Magnéton qui attaquait. Grâce à tir debout, j'ai pu lui baisser sa vitesse, donc j'attaque avant lui. A priori, ça devrait le faire. Bon, là je sais pas, mais bon, ouais, voilà. De toute façon, j'ai Mantelli qui attaque après. Bizarre que Mantelli. Il attaque après. Ah mince! Ah mais oui, je suis paralysé, que je suis bête. Je sais pas, j'ai envie de faire ça. Ouais, bon là il va être KO. Bah écoutez, c'est pas grave, j'ai des rappels et des potions. Ouais, j'ai des potions. C'est pas grave. Ah peut-être qu'il peut... Ah non, il peut pas rater puisqu'il peut... Dommage. C'est pas grave.
Voilà. On va prendre Noctali pour le monter. Bientôt niveau 42 d'ailleurs. Alors. Ouais, c'est bon. Allez, tire debout. Eh, hey, c'est pas terrible. Je vais faire. Ouais, je vais faire ça. Putain, il m'énerve avec son Fatal Foudre. Ouais, non. Finalement, c'est Marest qui va attaquer en premier, vous allez voir. Parce que Pharamp il est pas rapide. Ah. Il fait toujours marrer. Eh, pas mal, 1000. Bon, là il sera pas KO, mais bon. Pas loin. Bon, mais là par contre. Eh ben. On sent vraiment que Raikou approche avec tous ses Pokémon électriques. Bon, allez, je mets des forteresses, je m'en fous. Ok, bon, là, de toute façon, c'est fini pour lui. Ah, j'ai abri, tiens. J'avais oublié. Ok. Voilà, c'est bon. Non, je ne vous laisserai pas continuer comme ça. Ok. On va voir. Voilà, cet abruti. Il lance l'alarme. Avec ça, vous ne pourrez plus vous échapper de ce laboratoire. Bon, ok, il dit n'importe quoi parce que... Bon, là, par contre, je crois qu'il y a... Ouais, voilà. Me voilà, j'ai entendu l'alarme, alors je suis venu aussi vite que je le pouvais. Bon, en fait, ça sert à rien. J'ai essayé, on peut sortir et... Et re-rentrer, hein, c'est pas un souci. D'ailleurs, je le ferai avant de battre Tech. Alors, Vibranymphe, il risque d'être obscur. C'est même quasi sûr. Alors, donc on va essayer de l'attraper. Alors, on va faire. On va faire Surf. C'est super efficace sur Vibranymphe. Non, il est dragon Vibranymphe. Je sais plus. Ouais, mais j'ai envie de faire ça, tant pis. Je suis plus dragon ou pas? Je crois qu'il est dragon. Je suis pas sûr, hein, mais. Ça se trouve, il est sol et. Non, sol et vol. Oh, pas mal. Balance ta cuillère, ouais. Niveau 38, c'est bon ça. Kecléon, ok. Aïe, ouais, à mon avis, dragon. Ah, j'aime pas Dragosouffle. Ça paralyse très souvent. Là, ça va. Zut. Et ouais, il est haut, mais bon. On va faire. Ouais, on va l'endormir. Non. On va faire tir debout, après on refera surf. Tu vas faire écrasement. Je pense pas que ça me mette KO. Ah ouais, quand même. C'est puissant. Et il a la trouille, ben génial. Ah mince, il creuse un trou. Bah oui. Il va le faire sur NT, je suppose. À l'endormir. J'ai pas un Pokémon vol là. Ah
Ouais, tant pis, jamais de succune. J'ai pas envie de le perdre en fait, NT. Ouais, c'est bon ça. Ok, alors maintenant, donc Kecleon est toujours de type eau. J'aurais voulu faire ça. Ah, j'ai peur quand même de faire surf. Tellement peur que je vais faire une petite tornade. Ah, bon, mais tant pis, écoutez, je pouvais pas prévoir un coup critique. Tant pis, c'est pas grave. C'est vrai qu'un libégon ça aurait été sympa. Ouais, ah, ça aurait été très sympa. Bon, tant pis. Voilà, je vais faire onde boréale sur. Ah oui, il y a encore Kecleon. Voilà, au prochain coup, on va faire surf avec lui et en boréal pour surer les dèles. Voilà. Ah mince. Vous allez voir, c'est sur ma reste. Enfin, tant pis. Allez. Fortress. Onde boréale. Pour ça, ça va pas lui faire du bien. Ouais, c'est pas mal. Creuse un trou, creuse un trou. Ouais, il va le faire sur Fortress. Haha. De toute façon, il attaque en premier, au moins qu'il fasse du attaque. Voilà. Ça c'est bien, ça c'est bien. Au moins, il me touchera pas, zut. Voilà, je me protège. On va. Mince! On va faire charge noire sur. Sur lui, et puis. Sur lui. Voilà, vol, c'est pas grave. Allez, on boréal. Bon, a priori, je me rapproche petit à petit de la fin du jeu. Donc, ça aura été franchement une série. Ben, une nouvelle aventure. J'avais jamais joué à Pokémon Colosseum. C'est vraiment différent de l'aventure originale sur console portable. Après, bon voilà, il y a quelques petits défauts. Bon, la difficulté, c'est. Bon, déjà, on part avec deux starters complètement différents. Putain, il fait encore tunnel. Tant pis, on l'aura au prochain tour. Avec donc, ouais, Mentali Noctali, ça c'est une nouvelle expérience de jeu. Et surtout pas au niveau, au niveau 5, quoi. C'est comme si on partait à peu près à la moitié du jeu dans. Bon, ouais, un peu moins de la moitié du jeu dans un jeu normal. Bon, voilà, là, normalement, ça va le faire. Voilà, c'est bon, il devrait être KO. Ah, quoique j'ai peut-être fait surf tout à l'heure, je sais plus. Mince. Ah non, ah ben non, c'est super efficace. Voilà, c'est fini. Ouais, je vais aller les soigner. D'ailleurs, on va le faire maintenant, donc on va faire une petite coupure. Je sais plus si derrière il y a. Je crois qu'il y a Tech derrière. Ah non, il y a encore un mec. Bon, de toute façon, je vais les soigner. Allez, on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve, je les ai soignés. Et bah, on va y aller. Alors là, il y a un digicode, il y a un truc à faire. On va essayer de déverrouiller. Voilà, donc a priori, on a un code à faire. Donc ça va être les trois Pokémon qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'était pas compliqué. Hein. J'attendais un truc assez dur. J'ai même d'ailleurs battu un scientifique juste avant. Il avait deux électrodes. Donc alors, Marest... Mentali. Je vais changer. Ouais, j'ai envie d'entraîner Noctali un petit peu.
Ah, il m'a vu. Jamais 203, hein. Tu te souviens de moi? Ce sera la revanche de ma défaite à la forêt sacrée. Peut-être. Scrub. Ouais, sûrement, il devait y être. Ah, Kubutoke quand même. Ah bah, une petite feinte, ça devrait le faire. Coquille perle. Ouais, ça va le faire. Il n'y en a aucun qui est obscur, là? Non. Bon, bah alors, j'ai peur qu'il me fasse des ripostes ou quoi. J'ai vraiment peur. J'arriverai jamais à le mettre KO en un coup, c'est impossible. Ah bah alors je vais l'endormir, tiens, je vais pas prendre le risque. Et je vais plutôt attaquer Coquille Perle. Ouais, j'ai pas envie de me prendre des... De toute façon, si on l'attaque pas, Kubutoke, il nous attaquera pas. Même s'il fait ses runes protect et tout, ça changera rien. Ah si, bah si, s'il fait runes protect, je peux pas l'endormir. Faut pas qu'il fasse ça. Non, mais a priori, puisque j'attaque avant lui, ça devrait le faire. Il est vraiment bien fait, Kubutoke. Ok, mur de fer, c'est pas grave. Je pense qu'il va faire riposte, Kubutoke. Ouais, voilà, non, c'est bon. Donc, le truc, c'est qu'il va dormir après avoir attaqué, donc on va toujours pas l'attaquer. On va lui faire... on va faire ça. Et on va lui faire... Attends, je réfléchis. Non, toxique. Non, folie, ça va le faire. Voilà, après, dès qu'il dormira, bah, on va lui faire feinte. Et puis ça sera bon. Feinte, tire debout au pire. C'est pas vrai, non, ça lui est vrai du tout. Ah non, mais il a fait mur de fer, c'est vrai. Ah oui! Ah oui, quand même, hein! Petit Pokémon, c'est mal quand même, hein. Bon, ça va, il y a pire. Ah bah oui, je l'ai. Ah oui. Bon bah tant pis. Voilà, bon, sinon j'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent sortir comme jeu sur la Wii U, sur Pokémon. S'ils peuvent sortir une aventure un peu identique à Colosseum ou Pokémon XD. Ça pourrait être bien sympa avec maintenant que la Wii U a une bonne puissance niveau graphisme et puis voilà quoi, niveau CPU, enfin merde, donc je vais faire ça sur ça, lui on va aller faire fat. Ah mais non, il est gelé, c'est vrai, j'ai oublié. Et ouais mais non, bon attendez, il faut absolument que je le soigne là, sinon ça servira à rien mon bail. Donc on va faire objet. Ah mais est-ce que j'ai des antigels? Ouais j'ai total soin. Ouais non mais c'est bon, j'ai des antigels. Je vais en trouver dans le jeu sûrement. Et décongelé, d'accord. Et toi tu fais. Voilà, feint. Et là il se réveille, il me fait riposte. Hey, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça c'est rien, c'est pas grave. Sauf s'il me regèle. Ah bien Noctalie. Non non, ça devrait le faire. Ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais faire tire debout sur lui et feint sur lui, c'est bon. L'autre il va mourir du poison. Voilà. Ouais, ça va le faire. Quoi? Il a raté son attaque. Attendez. Ok, bon bah si tu dors tant mieux. Ah, toi t'es KO. Gravalanche, ouais, bon, ça va le faire avec un petit surf. Hop là, surf, et puis. Après tout, de toute façon. Ouais, Kubutoke est assez long. Oh. Impressionnant quand même. Tout ce qu'il lui enlève.
ça c'est bon. Une grave avalanche, pareil. Hein. On sent que les niveaux commencent à augmenter légèrement. 44. Ça augmente, ça augmente. Je crois que c'est bon, non? Ah non. Charmina. Ouais. J'ai pas d'attaque vol. On va faire. Surf. Puis on va faire. Ça, c'est, par contre, c'est pas très efficace. Si, si, si. Si, si, puisqu'il est psy aussi. Donc ça fait normal. Non, non, c'est bon. En plus, il pourrait être apeuré. Ça peut être bien. Aïe, aïe, aïe. Puis voltige sur Noctalie. Oh oui, Rati s'écrase au sol. Oh, il s'est salement écrasé au sol. Non, normalement il s'enlève pas tant que ça. Ça enlève pas mal, c'est vrai. Mais là il a pris cher le pauvre. Ah mais ça aurait été expéditif. Ah presque. Bon ben combat super sympa. Bon génial. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah mais d'accord, il est parti. Bon allez, je refais une petite éclipse. Bon c'est bon, je suis revenu de mon ellipse, et pas éclipse, pardonnez-moi. Donc je suppose qu'on se rapproche. Alors oui, juste avant, j'ai regardé, je me suis renseigné sur ces Pokémon. A priori, il devrait amener, bon des fois ça change l'ordre. Mais bon, des Pokémon volent a priori, donc je vais amener Suicune, c'est ça qu'on avait dit je crois. Suicune et Mantali, voilà c'est ça. Mantali, je vais tomber peut-être sur un Osferalto, donc avec Rafale Psy. Ah d'ailleurs j'ai oublié de le soigner, celui-là je lui ai donné une petite, je sais pas si j'ai peut-être une petite potion ou pas. Non j'ai pas de potion. Bon mais une petite super potion. Ça fait une petite potion. Voilà. Allez, j'espère qu'on va gagner. Voilà, j'ai 30 hyper balls, ça devrait le faire. 2 honor balls, bon si j'arrive sinon tant pis. Sinon j'ai 6 chrono balls. Allez c'est parti. Ok, il y a de l'animation. Ouais, ouais, c'est pas mal cet angle de vue. Bien, effacement du disque terminé. Opération achevée. Oh, comment êtes-vous entré sans vous faire remarquer? Je sais pas. Toi, tu dois être le fameux Arnaud. Tu as donc réussi à arriver jusqu'ici. Je m'appelle Tech. Je suis le chef du laboratoire Pokémon Obscur. Il est hors de question que je laisse qui que ce soit entraver notre plan Pokémon Obscur. Tu vas goûter au pouvoir de mon Pokémon Obscur. D'accord. Ok, bon allez. Admin ombre tech. Franchement super stylé. Voilà, Nosferalto. Ah et serpent, d'accord. Ok, alors. Bon, de toute façon je vais faire Rafale Psy sur Nosferalto, ça c'est sûr. Et puis non, je vais pas faire danse pluie, ça serait. Ça pourrait le mettre à son avantage, à Serpang. Donc on va faire. Écoutez, c'est pas vraiment un très bon choix. Est-ce que. Oh, allez, tant pis, je vais faire ça. De toute façon au pire s'il est KO avec Rafale Psy, ce qui m'étonnerait pas. Mais voilà. Je me dis au moins je le finis. Parce qu'avec ses ondes folie, ses attaques, ouais ouais, surtout ondes folie. On a l'habitude. Puis il est très rapide Nosferalto. Voilà, au moins je le finis. Serpang, on va voir ce qu'il a. Donc là peut-être qu'il va amener son Altaria. Non, Lanturne. Ah oui, Lanturne. D'accord. Danse lui, bah, c'est lui qui le fait, tiens. J'ai Marest qui pourrait être pas mal. Parce qu'a priori, là, Suicune, ça va servir à rien. Donc je vais amener Marest au cas où il fasse genre Fatal Foudre. Ça peut être pas mal. Voilà, et ensuite, Mantali, tu vas faire Rafale Psy. Alors, sur lequel? Sur Serpent, au pire. Bon, il est confus, je sais, hein, mais bon. On va quand même tout de même essayer d'attaquer. Morsure. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié. Ah non. Oh non. Allez, ça commence. Bizarrement, il a pas fait Fatal Foudre. Hein. Je suis sûr qu'il y a un truc. C'est pas possible. Ouais. Écoutez, je vais faire ça. Hein.
sur... Ouais, là, je vais prendre cher. Ah, sur Marest, bon, ça va. Allez, t'es confus. Ouais, c'est bon. Allez, juste faire la moitié, ça serait bien. Ah. Hydrocanon. Ah, bah, sur Marest. Peut-être. Peut-être pas, en fait. Oh, ça fait mal. Ah, dur. Dur, dur, dur. Ouais, je vais amener Noctali. Il est prêt de monter au niveau 42. Dommage. Il n'aura pas attaqué. Il va aussi me le rendre confus. Alors, qu'est-ce que je fais? Ah, je vais faire... Bon, ça, je fais ça, c'est sûr, mais... J'ai vraiment envie de le faire sur, ouais, sur Serpang, parce que l'enturne, au pire. Ouais, sur Marest. Ouais, ça fait mal. Ouais, je vais le soigner, je pense. Toxique. Ouais, c'est bon, il rate pas. Ouais, Serpang, au moins en 3-4 tours, ça devrait le faire. De folie, bah, ben voyons. Donc là, je vais... Ah ouais, là, j'ai une bonne technique. Putain, la trouille, tant pis. Donc là, je vais soigner Marest avec Noctali. Donc là, on va faire tir debout sur Nocturne. Et là, on va le soigner. Au moins, il n'attaque pas, il se fait pas blesser ou quoi. C'est 80, la limonade. Ça fait 122. Heureusement. Morsure. Ouais, ouais, ça va le faire. Je pense que ça peut le faire. Ça va le faire, là. Ah, hydrocanon, ouais, quand même. Oh, oui, 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 il a raté. Yes. Oh, mais il a la trouille encore, putain. Vivant qui crève, ce serpent, là. Allez. Tant pis. Je sais qu'il est confus. Eh ouais, ben bah, voilà. C'est pas grave. Ça lui a pas enlevé beaucoup. Danse lui. Ah oui, il a pu s'être arrêté. Ouais, pour Hydrocanon, ouais, c'est vrai que. On voit l'intelligence artificielle. Oh non. Oh là là. Est-ce que vous croyez, ouais, soit Hydrocanon, soit. Soit Fatal Foudre. Bon, allez. Écoutez. J'ai envie de tuer Serpang, mais bon. Avec le poison, là ça va le faire. Allez, onde folie. Maintenant c'est à ton tour d'être confus. Ouais, non. Aïe aïe aïe, Noctali, je pense. Ouais, ça va, il résiste, hein, il est bon, il est bon. Il résiste bien. Non mais lui il a vraiment pas de chance quoi. Il a pas attaqué une seule fois. Ah, je suis deg. Bon, Serpang normalement c'est bon. Ouais, c'est fini pour Serpang. Là il va amener Altaria. Je vais changer de façon. Marest, je l'enlève. Ah, ok, je vais enlever Marest. Et niveau 40. Ouais, niveau 42. 123 en défense spéciale, 107 en défense. Attaque spéciale 72. Alors, regard noir, pff, a priori non. Hein. Attends, je réfléchis à quoi ça pourrait servir. Je vois pas, il n'y a pas de Pokémon fuyard. Non, je l'enlève, hein. Je vais l'enlever. Roi de morsure et fin, c'est... Ah oui, voilà, arrêtez. Alors, Altaria, c'est ça. Je crois qu'il en a 5. Hein. Ouais, il en a 5. 3, ouais, donc c'est ça. Après, il resterait coup. Donc, je vais enlever ma reste. Est-ce que ça... Non, 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 à mon avis... oui, si, si, je vais l'enlever, ouais. Je vais l'enlever parce que... Non, je voulais le laisser crever, mais non. Donc, je vais amener Suicune. Suicune. Et Noctali, 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 Noctali. Est-ce que je... Putain, il a rien perdu, l'enturne, je suis deg. Toxique, hein, sur l'enturne. Ouais, je vais faire ça. Wow,
Voilà, après avec onde boréale, laser glace. Ouais, sur, vous allez voir sur l'Italie. Ah non. Ah, chouette. Non, parce que sur Marès, ça aurait été... Ah, ça c'est bien. Ça c'est pas bien. Tant pis, on peut pas tout avoir. Hein. Prendre lui, il a beaucoup de choses, je trouve. Hein. Il rate pas hydrocanon, il est pas confus. Il met KO. Bon, ben on va devoir amener Fortress, hein, j'aime pas Entei. Hein. Oh là là, putain, je suis vraiment en mauvaise posture. Non, mais là, avec onde boréale, ça devrait le faire. Bon, au pire, j'ai des rappels, hein, c'est pas ça qui manque. Donc, onde boréale sur Altaria, et lui, on va. Ouais, il faut mieux attaquer. Ça sert à rien de se protéger. Ouais, c'est bon, hein, deux coups. De toute façon, onde boréale, c'est pas laser glace, ça a pas la même puissance. Ça baisse son attaque, c'est vraiment nickel. Bon, le glace, ça doit être spécial. Hein. Pourquoi il fait ça, je comprends pas. Bon, allez, t'es confus au moins une fois, quoi. Voilà. Allez, charge. Et pas mal. Allez, on va refaire onde boréale. Sur Altaria, ça va le faire. Et puis, bof, on continue. Hein. Ouais, ça c'est bon. Mais bizarre, on dirait, ses ailes, elles sont pas naturelles. Ça fait vraiment... je sais pas comment dire, mais c'est vraiment bizarre. 43, génial. Ouais. Allez, Raikou. Donc voilà le Pokémon obscur, le dernier. Je vais tenter d'attraper. Lanturne n'est plus confus, donc ah non, il rate pas. D'accord. Comment perdre 126 PV en un tour. Ok, bon bah non, mais ça devrait le faire. Alors je vais... Ouais, je vais déjà lui enlever des PV, je vais aussi en profiter pour soigner ma reste, parce que sinon je pourrais pas l'endormir. Avec Baillement, hein, c'est toujours mon petit combo. Bon, il n'y a plus de pluie. Ah oui, c'est vrai qu'il reste lenture, hein. Tiens, j'avais oublié. Donc on va faire... Est-ce qu'on fait surf? Peut-être pas faire surf. Surf? On fait surf? Allez, on va faire surf. Ouais, on va faire écrasement sur Lanturne. Aïe. Aïe aïe aïe. Oh non. Oh, c'est tout. Putain, alors Pokémon électrique là, il m'embête vraiment. Je crois que je vais utiliser une guérison. Ouais, quoi que, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, ça vaut le coup. Moyen, parce qu'il va refaire Fatal Foudre après. Oh là là, et... ah oui, je savais pas que la piste était arrêtée. Il faut absolument que je tue ce... son Lanturne là. D'autant plus qu'avec Entei, avec Hydrocanon, je suis mort. Hein. Je vais soigner ma reste. Ah, je sais ce que... Ouais, je vais soigner ma reste avec Suicune. Attends, deux secondes. Alors, non, je sais pas que ça. Hyper potion, ça ira. Tac. Voilà. Ah oui, c'est vrai que ma reste avec tir de boue, ouais, j'ai pas de nous appeler. Oh! Mince. C'est pas grave, de toute façon, Suicune, on savait qu'il allait crever. Ou critique, c'est vraiment pas un souci. Non, non, je vais plutôt faire Zénith. NT, normalement, il devrait attaquer après. Hein. Ouais, ouais, non, là, ça va le faire, c'est bon. Au moins, Hydrocanon, tout ça, c'est affaibli. Surtout Hydrocanon, Fatal Foudre, ça risque de rater. Voilà, allez. On va retourner la situation. Et bim, voilà, ça, c'est bon. Allez, donc, tir debout sur Lanturne. Et puis, encore écrasement sur Lanturne, tu crois? Ouais, forcément sur Entei. Ah oui, quand même.
Faut que je fasse gaffe qu'ils n'utilisent pas des... Quoique, ouais, charge noire encore pour l'instant, ça va. Bon, et c'est bon, là, Lanturne, il est KO. Ah, quoique, Marest, est-ce qu'il va attaquer avant? Oui, il a la trouille, ça, c'est bon. Allez, ça, c'est bon, il est KO. Maintenant, on va s'occuper gentiment de ce... Donc, ce que je vais faire, c'est que... Je vais attaquer Tir Debout sur Reiku. Ah oui, ouais, vaut mieux que je l'endorme, c'est vrai. Et je vais soigner Entei. Donc, attaque. Ouais, ouais, Baiman, ouais, non, il a raison. Objet... hyper potion donc sur Entei, ouais. Ouais, tant pis, c'est pas grave, il est paralysé. C'est vrai qu'il rate tout. Il m'a enlevé le même nombre de PV, 100 PV pile. Baillement, d'accord. Ouais, je vais encore le soigner, hein, je suis désolé, mais j'ai pas envie de le perdre. Sur Entei. Bon, maintenant qu'il est ça, est-ce que tu penses que Tir Debout ça le mettrait KO ou quoi? Non, ça va pas le mettre KO. Donc je vais faire Tir Debout. Et puis objet, on va faire. Je prends une guérison, tant pis j'en ai qu'une, mais elle servira pour ce match. Voilà. Ah! Enfin il rate! Il était temps. Quand même, hein! Il est niveau 40, hein, faut pas l'oublier. Vitesse baisse, ça c'est bon. Non, je vais pas le refaire de toute façon. Il dort. Surf. Mais j'ai pas envie d'envoyer une hyperbole là. Et morsure, ça le met KO. Ah oh, bah voilà, bon, on va faire. Bon, bah si, on va lancer une bolle avec. Avec ma rest. On va lancer une hyperbole, tu vois. Bah, pas mal. Voilà. Et c'est ce que j'ai. Bah oui, sur Reiku. Je peux pas faire autrement. Et lui, je vais faire un petit morsure. Une petite morsure. Bon, allez, il faut pas qu'il meure là. Allez, 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 attrape-toi, je t'en supplie. Si tu pouvais t'attraper maintenant, ça serait cool. Une fois, c'est tout. Allez, allez, morsure doucement. Pas de coup critique. J'ai envie de le refaire une autre fois. S'il n'y a pas de coup critique, ça passe. Mais... c'est... Allez, tant pis, on va le tenter. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, bon, on va utiliser encore une hyperbole. Petite morsure, là, et après on s'arrêtera là, de toute façon. Allez, bon, de toute façon, s'il a capturé, ça serait bon. Allez, 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 allez. On y croit. Vous y croyez, vous y croyez. Oh non, non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah non, surtout si je le mets KO là, ce serait encore plus dégueulasse. Oh, oui, c'est bon. Allez, c'est bon. Putain, le pire c'est qu'il a charge noire, faut que je fasse gaffe. Donc là à présent, je vais utiliser ma technique de baillement et lancer une hyperbole, on sait jamais s'il se réveille. Moi je gagne un tour. Ouais, on va tenter toujours les hyperboles. Hein. Allez, c'est parti. Non, non, là, franchement, il y a des chances que je le capture. S'il dort, non, non, franchement, pas moyen que je le rate. Hein. Oui, c'est bon. Capturé. Ouah, ça fait plaisir. Cette puissance incroyable. 4800, ça c'est gentil. Et ben voilà, on a les 3 Pokémon fuyards de Johto. Ah, c'est dommage, vous êtes venu spécialement jusqu'ici pour rien. Nous avons déjà transféré dans un autre endroit tous les Pokémon obscurs que nous avons créés ici. Enfin, pour rien, j'ai quand même Reiku. Y compris le Pokémon obscur spécialement créé pour le chef. Alors, j'ai une petite idée, bon, je le dirai pas, je vais le garder pour moi. Ok, alors il est parti. C'est quoi ça? Non, ah, tu parlais de ça. C'était 26. Attends, 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 c'était 26, c'est séisme. Non, c'est... Et si, séisme. Peut-être l'apprend. Est-ce que Entei l'apprend tout seul ou est-ce qu'il faut que je l'apprenne? Ah oui, il y a un truc qui brille, exact. Peut-être une clé intelligente. Disque ROM. D'accord. Il n'y a rien dans la corbeille. Non. Bon, allez. On continue, hein. Je sais pas combien de temps ça fait. Ça fera peut-être un épisode un peu plus long, mais c'est pas grave.
Enfin, du moins, on va sortir. Après, on verra. Ah, mais ça fait vraiment plaisir. Ah. Ça fait plaisir d'avoir battu Tech. Voilà, c'est là la sortie. Génial. Bon, on va voir. S'il n'y a pas d'événement en sortant du labo, on va s'arrêter là. Sinon, on continue un petit peu. Ah, voilà. On a un message. Alors, avec le pad que j'utilise jamais d'ailleurs. Alors, mail. Net de Suereb. Salut, si vous trouvez des données dans le labo Pokémon Obscur, surtout venez me les apporter à Suereb, je vous attends net. Bon, alors on va faire un petit tour à Suereb. Par contre, net. Ah oui, si, si, c'est le gamin là. Ouais, ouais, on va lui donner ça. Bah, je pense que c'est le disque ROM. Hein. Ouais, c'est là. Ah, voilà. J'ai continué Pokémon Colosseum. Putain, j'ai eu pas mal de demandes. Hein. Quand est-ce que tu continues Pokémon Colosseum? Ça me fait plaisir, mais bon, en même temps. Comme j'ai eu des problèmes avec l'émulateur, bon, là, ça va, il plante pas. Ouais, d'ailleurs, faudrait que je. Ouais, non, non, je vais sauvegarder vite fait. Oh, ça serait trop bête qu'il plante maintenant. Oh, vite, 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 vite. J'ai trop peur. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'ils sont soignés par contre? Je vais le faire, on sait jamais. Bon, ça vaut peut-être pas le coup. Mais bon. Trois Pokéballs, trois Hyperballs. Allez. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, je sais pas comment voir l'objet au fond. Hein. Faudrait que j'ai un disque spécial qui me. Le disque qui me fasse. Qui me fait aller à gauche. Je l'ai pas eu. Est-ce que c'est là qui se trouve? Je sais plus. Je crois. Ouais, c'est là. Net, je crois que c'est lui. Hein. Il tape sur quoi là, vous croyez? Il se tourne les pouces ou quoi? Oh Arnaud, comment cela s'est-il passé? Putain, comment un gamin comme ça m'écrit salut, bonjour? Alors, tu as trouvé des données, Arnaud donne le disque ROM. Oh, voilà qui a l'air intéressant, vite, essayons de voir ce que cela contient. Oh, intéressant. Ce disque contient la liste des Pokémon obscurs qui ont été créés jusqu'à présent. Le problème, c'est qu'elle a été effacée. Ah bah, c'est un gros problème. Arnaud, laisse-moi m'occuper de ça. Je vais essayer d'extraire les données contenues dans ce disque ROM, même si ça veut dire l'examiner octet par octet. Arnaud, dès que j'ai du nouveau, je te contacte sur ton pad. Bon, je suppose qu'il faut sortir et rentrer ou quoi, non? Je sais pas. Non, de toute façon, dès qu'il y a du nouveau, ça veut dire qu'à mon avis, il faut que j'avance dans l'aventure. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce 21e épisode de Pokémon Colosseum. On se retrouvera dans un petit moment pour la suite, hein, donc ne soyez pas pressés, ça arrivera peut-être le mois prochain, quoi, on verra. Bon, voilà, sur ce, portez-vous bien, et puis à la prochaine, passez de très bonnes fêtes. Bye tout le monde!